Bertrand Delanoë, est-ce qu'il faudra, je mets des énormes guillemets, accompagner? On vient de parler d'une révolution mature, d'une population qui a fait tout cela tout seul. Est-ce qu'il faudra tout de même accompagner, entre guillemets, la Tunisie, son vision bien évidemment colonialiste de la France qui parle? Il faut faire attention à tous les mots prononcés. Le peuple tunisien est un peuple qui, effectivement, ce soir peut être fier de la révolution qu'elle a engagée. Faites attention. Nous, les Tunisiens, nous sommes très fiers et très susceptibles. C'est pour on ça. Veut bien être. J'ai aidé, pris d'énormes précautions. Vous avez bien fait. Le peuple tunisien, d'abord, il faut savoir que c'est un peuple. Aussi. Mais je vous en remercie pour nous tous. On ne vous a pas tellement entendu, monsieur Delanoë. Ces dernières semaines, on attendait une réaction. On attendait des bien mots, sûr. Parfois. Mais d'abord, j'ai parlé. J'imagine que c'est compliqué, difficile, non, douloureux pour bien vous sûr, aussi. D'abord. Vous savez, je suis tunisien comme Serge Moati, d'ailleurs on est quatre Tunisiens là, sur ce plateau. Ne gommons pas la dimension qu'il y a eu dans cette révolte de l'injustice sociale. C'est vrai qu'il y avait le sentiment depuis des années dans toutes les catégories de la population tunisienne que certains se goinfraient pendant que d'autres vivaient plus mal qu'il y a quelques années. Et donc,